Toi, tu ressembles à quoi? Tu ressembles à 17. J'ai limite envie de dire que si je te laisse tranquille, tu vas mourir tout seul. Et j'ai limite envie de dire que c'est ce que je vais faire parce que même si c'est un peu dangereux, parce que je le laisse le balader à droite et à gauche sans vraiment me préoccuper de ce qu'il va devenir, s'il explose tout seul, il perd tout son fric. Enfin, ça lui aura rien apporté. Donc lui, il est trop loin. Lui, malheureusement, il est trop près. Parce que j'aurais vraiment aimé faire ça, mais le problème, c'est que je m'attends à ce que ça me coûte... vous savez quoi, c'est Wafet. M'en fiche. Mon bordier va soit exploser, soit être à 1 PV parce que, ben, son chasseur. Mais mon chasseur est à portée, donc ça va me servir. Et par défaut, j'ai pas envie de... toi, tu vas taper là-dedans, en plus, commence à manquer d'essence, donc ouais. Autant que... Bam, appuie le nez au tank. Il aura rien fait de réel, mais bon. T'en es où, toi? Il a son pouvoir, mais il n'aura pas son super. Et idéalement, il n'aura pas le temps de s'en servir avant que j'ai pu finir de... Les captures, ça ira. Ouais. Toi, tu te ramènes là. Toi, est-ce que tu pourras? Ouais, tu pourras. Donc, autant que toi, tu te ramènes ici. Donc, lui, sans surprise, il va me servir à rien du tout. Mais, quoique, après, est-ce que j'ai vraiment besoin de détruire ça? J'en doute, mais bon, on verra. Toi, vous servez plus à rien de réel, mais bon. Toi, tu vas entrer là-dedans et tu vas partir par là-bas. Quoique, est-ce que... Ouais, t'es quand même... Me pose une question, stupide. J'aurais pu le sacrifier, pour le principe que comme ça attire les coups, etc. Lui, est-ce qu'il est à portée? Il n'est pas à portée. Ah, je vais me faire un autre chasseur, parce qu'il commence à se ramener avec trop de trucs. Toi, tu vas te ramener ici, toi, tu vas rentrer dedans, comme ça, au moins, peut-être que j'arriverai à faire quelque chose de toi. Et qui n'a pas agi? Ce pont, le pont n'avait pas agi. Chacun. Donc, toi, tu vas pouvoir retourner là-dedans parce que j'en sais un pourquoi pas. Toi, tu captures ce truc. Donc, la question, c'est est-ce que je préfère liquider ça ou non? Le truc, c'est que je veux pas liquider trop parce que j'aimerais éviter qu'il ait son... Ouais, mais il manque 2 étoiles et demie. Pour une ville que je vais essayer de capturer après? Non, je pense que je vais dédommer son hélico. Mieux vaut que je lis Ouais. Donc ça, c'était sûr que je le ferais. Toi, tu sers à rien de spécial, donc tu vas descendre par ici pour commencer à déranger un peu. Toi, t'es un peu obligé de partir ailleurs, tu vas venir là. Toi, tu élimines ce machin. Son tank 1, il peut rien faire du tout, donc je m'en fiche. Je regrette vaguement qu'ils aient retiré les animations des personnages. Il y avait des petites animations dans le premier Advance Wars où... Quand vous gagniez un combat ou vous perdiez, etc., le général faisait la tronche. Il leur tirait ça, c'est dommage. Enfin, dommage. J'ai juste envie de me faire un autre lance-missile. Andy, tu gagnes combien par... J'ai pas envie de compter. 14 000? Ouais, un autre tank M serait sympathique, mais là j'ai des forces descendantes, j'ai Green Earth qui se ramène et qui commence à taper un peu à droite et à gauche, donc... Ouais. Ici, en fait, c'est pour... Oh! Je suis un clown. Je suis un gros clown inutile. Bon, bah tant pis, c'est ma faute. J'ai perdu mes 2 bombardiers bêtement. Waouh! Après, il commençait à avoir moins de taf à faire, mais waouh, c'est bête. C'est vraiment bête. J'aurais dû vérifier. Parce que lui, je l'ignorais tranquillement et je me dis, oui, tiens, je me demande si en le mettant ici, il va l'attaquer. Sauf qu'il a un truc à porter. Donc, à moins que ça lui grille, genre. Non, il va avoir pile poil. Parce que là, il va être à 12 et il lui faut 9 pour m'atteindre. Donc, il va avoir pile poil assez. Il va s'exploser au tour suivant, mais il va avoir le temps de faire un truc. Crotte. Eh ben, écoutez, c'est ma faute et je l'assume. Donc là on va faire un destroyer. Parce qu'il a un hélico qui se balade et qui m'énerve. Toi on va te mettre.
À chaque fois, je vérifie, je m'en fiche. Toi, on va te mettre là et tu pourras tirer. Toi, on va te mettre là et on va tirer. Alors, la question, c'est sur quoi on tire? J'ai limite... Ouais, je vais tirer sur ça. Ça va m'épargner au moins mon bombardier. Celui qui va se prendre le chasseur. L'autre chasseur, là, sur la face. Et comme ça, ça c'est fait. Et ben, toi, c'est bon, ça sert plus à rien. Ouf, j'ai entendu le bruit et j'ai cru qu'il avait le super. Oh, j'avais complètement oublié ça. Moi qui avais sacrifié un tank pour éviter que ça arrive. Bon, c'est pas grave, on n'est plus aussi un moment aussi critique. Mais là, ouais, j'enchaîne un peu les erreurs. Ce chasseur en bas qui va me détruire mon bombardier en haut m'énerve au plus haut point parce qu'il meurt au prochain tour. Et il me le tue. Donc ça va me donner masse de pouvoir sur Eagle, bien entendu. J'ai des questions. Qu'est-ce qu'il va faire avec son entière? Rien. J'ai des grosses questions. Parce que lui, c'est fini. Il est mort. Pourquoi t'as pas attaqué mon bombardier, espèce de clown? Je veux même pas essayer de comprendre. Ça ne me regarde pas. En revanche, ce qui m'ennuie, c'est que là, il me bloque ici. Genre, il me force à faire... Est-ce que c'était voulu? Est-ce que c'était ça le but? Parce que lui, avec 6, il atteindra jamais ça, bien entendu. Le truc, c'est que j'ai pas envie de l'attaquer, lui. Et lui, il fait... Ouais, bah vas-y, tue-le. ça me frappe comme un gâchis un peu immonde. Alors lui, je sais pas, est-ce qu'il va exploser au prochain tour alors? Ou est-ce que... Enfin, au début du tour? Quand est-ce que l'essence est consommée? Je crois que c'est au début du tour. Donc ça, on le fait, tout de suite. Alors ça lui donne son pouvoir. Hein. Et par conséquent, je suis irrité que ça l'ait pas tué, parce que il va remonter à 3 et moi, lui, il va être à 8. Mais bon. Le truc, c'est que toi, tu touches à rien. Toi, qu'est-ce que tu peux faire de réel? La réponse me semble être rien. Tu vas attaquer ça, j'imagine. Pas dramatique, mais bon. Et ouais... mon hélico, ici, il va se ramener là et il va attaquer ça. On va laisser son chasseur tranquille, peu importe ce qu'il fait. Non, d'après ce que j'imagine, il devrait tomber à court de carburant au début du tour. Ah, parce que ça serait le plus logique. Mais je veux pas l'attaquer, quoique j'aurais dû l'attaquer parce qu'il doit être au maximum du coup. Ouais, il a le super, j'aurais dû attaquer. Je vais rendre des erreurs, je suis un gros mieux. J'ai le fric, on va se faire un bombardier, son chasseur peut pas l'atteindre de toute façon. Toi, on va t'envoyer ici, toi, on va te faire avancer là, les... Toi, tu vas avancer en ligne droite, je m'affiche. Toi, t'avances par là-bas. De toute façon, tout le monde va se prendre deux dans la phase, donc je vais payer un prix... sec. Peu importe ce que j'essaye. Son hélico est remonté, peut-être parce qu'il a vu le destroyer qui se ramenait. Toi, tu vas avoir moins un tour pour commencer à tirer. Toi, tu vas balancer le silo. Tu sers plus à grand chose, autant affaiblir un coup. Je veux dire, 3, son pouvoir va réparer, mais tant pis. Et je pense que c'est tout. Qui n'a pas agi? Lui. Autant éviter. Je veux dire, je vais le fusionner avec celui-là et ça fera un truc à 9, ce qui compense. Ouais, on va te mettre là. Ou il va se faire achever par lui, ce sera pareil. Pendant ce temps, nous. Donc toi, bien entendu, t'as été bloqué par ce vil mécréant. Waouh, tu fais que dalle. Je sais qu'il a plus 3 de défense grâce au silo, mais quand même. Hein, c'était tellement une erreur, mais bon. Toi, tu vas te mettre là. Toi, tu vas te ramener ici. Toi, tu vas te mettre là parce que lui, je veux absolument le caser ici.
Toi, tu te mets là, et toi, tu te mets ici, je suppose. Avec 11 000, il n'y a pas grand-chose que je puisse faire. Toi, je peux te poser ici. Et on va faire un tank. Après, le silo est pas à ce point dérangeant, parce que je vais... Ben, j'aurai pas le super, donc je serai juste obligé de me contenter du pouvoir normal. Mais bon. Ben, si j'avais le super, je me poserais pas... Je serais pas trop dérangé, mais ouais. Toi, tu vas remonter par là-haut. C'est surtout parce que comme j'ai pas essayé de l'empêcher de choper... Je vais pas l'empêcher de choper ça. Ouais, mais ça, par contre, ben, ils vont être régénérés, malheureusement. Mais, de deux. Donc, par défaut, ça va pas l'aider à ce point. Voilà, toi, tu vas nous capturer ça. Toi, tu vas commencer à tirer là-dessus. Et malheureusement, j'ai pas assez pour un lance-missile. Donc on va se faire une autre infanterie pour qu'elle puisse aller capturer ça une fois que ce machin aura explosé. Parce que au prochain tour, je peux le mettre là. Elle, je sais pas, je pense qu'elle aura pas assez pour l'achever en un seul tour, il en faudra deux. Mais en attendant, j'aurai fait mon lance-missile. Lui pourra commencer à, je sais pas, à capturer ça, j'imagine. Ça va prendre quelques tours, parce que, enfin, ça va prendre trois tours, mais bon. Et là, mon lance-missile pourra tirer. Et limite, je fabriquerai un autre lance-missile ici et je les enchaînerai jusqu'à ce que ça passe. Ouais, ben c'est nul, et on va se prendre un super dans la tronche, mais c'est la vie. Et... c'est comme ça. C'est inévitable. Parfait. Ça, je m'en fiche. Ça, c'était prévisible. Adieu. C'est probablement la meilleure phrase pour... Juste, meurs. Au revoir. Bonne journée. Mais ouais, c'est parti. Donc là, ça va toucher la de trucs. Donc lui, il va capturer ça et ça m'énerve puisqu'il va pouvoir m'enquiquiner. Mais bon. Donc lui, il les fait battre en retraite. Il les rassemble. Il a deux bombardiers complémentaires. Vas-y, c'est gratuit. Il l'envoie vers le bas, ce qui est ingénieux. Ou pas. Bref. C'est un peu la difficulté, c'est que Yellow Comet, par contre, il faut, va falloir les aider un minimum. Mais j'ai mes... Ok. Force de Green Earth qui sont là pour ça. Donc toi, déjà, tu peux pas faire grand-chose de spécial, donc tu te ramènes ici et t'atomises ça, parce que ça bloque tout le monde. Et bien sûr, c'est pour ça qu'il l'a laissé ici, mais j'aimerais que ça disparaisse. Le chasseur, est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui puisse attaquer? Il peut attaquer ça, et je pense que c'est ce que je vais faire. Est-ce qu'il y a un risque? Non. Vous voyez, son entière, il s'en sert pas parce qu'il veut tellement la protéger qu'il se retrouve à jamais la mettre à portée de quoi que ce soit. Alors, sur mon... Il y a un truc qui va se prendre une DCA dans la face. Écoutez, c'est la vie. Là, ce que je veux, c'est commencer à atomiser du chose parce qu'il m'énerve trop. J'ai besoin qu'il disparaisse. J'ai besoin que ces unités commencent à dégager, que je puisse avancer, puisque si je ne fais pas avancer le front hors de cette espèce de blocus ici, je vais jamais rien réussir à faire. Ça, ça sert à rien, mais je veux dire, c'est du poids pour Eagle, et lui, ça lui file aucun avantage particulier. Voilà. Waouh. Seulement 60. Parce que il arrête pas de ramener des forces un peu vers le bas. Ici, là. Et j'ai besoin qu'il arrête. Pas parce que ça va devenir crucial ou compliqué ou oh non, ah, je vais mourir ou qu'est-ce que je m'en fiche. C'est surtout que plus il est en train de se faire plaisir comme ça, et plus ça devient dangereux pour moi. Donc mon hélico ici va se balader, idéalement j'aurais pas dit non à capturer ça et pouvoir soutenir Yellow Comet plus directement. Yellow Comet il devra se débrouiller avec ce qu'il a. Donc au pire, ouais, j'enverrai des chasseurs les aider à terme, mais là tout de suite, c'est un peu compliqué. J'ai 7 hélico endommagé qui sert pas à grand chose à se mettre là. Toi, tu peux rien faire de réel à part aller te suicider. Eh, j'ai envie de
Il a rien là. Il a rien du tout pour m'en empêcher. Il a cette DCA qui est aux trois quarts bloquée. Et s'il envoie la DCA en arrière, bah écoutez, c'est un truc que Marco je sais pas. C'est peut-être idiot et ça l'est probablement, mais bon, hop. Bien entendu, je garde le super pour un méga tour. Et j'ai même pas le pouvoir. C'est la tristesse la plus absolue. Je peux même pas utiliser un pouvoir. Ah, c'est comme ça. Il a quoi de vraiment dangereux? Il a un lance-missile, donc je peux même pas lui attaquer ça. Donc on va commencer au moins à prendre pied sur le pont. Toi, tu vas te ramener ici, j'imagine. Il a même pas de tank ou de trucs comme ça. Il a juste des choses qui traînent. Donc toi, tu vas te mettre ici et on punira quiconque se ramène dans notre face. Toi, tu avances, tu m'as servi, je crois, absolument à rien, prouvant en grande partie que mes accusations vis-à-vis de ces cochonneries n'étaient pas injustifiées, mais bon. Toi, tu vas te mettre ici, bon, tu me coûtes 2000, c'est pas grave. Toi, tu te ramènes par là, et... on va se faire un autre tank. Toi, tu te ramènes ici. Et j'ai plus d'unité, j'ai pas besoin d'en faire rejouer. Sonia, c'est ton tour. Oh wow, pile poil. Bon bah j'ai un lit. Donc ça, ça fait un gros truc casse-pied de moins. Toi, tu peux foncer directement là-bas. Toi, tu peux rien faire de réel, malheureusement. Il y a littéralement, il y a rien que tu puisses faire. Toi, tu vas nous sortir un lance-missile immédiatement. Toi, tu vas capturer ça. Oh bah tu vas capturer cette ville extraordinairement lentement, je le crains. Et toi, alors, je veux pas te mettre à portée de son bombardier, bien entendu. Et encore moins de son mini-canon qui s'arrête au récif, ok. Tu peux pas atteindre les récifs, toi, il me semble, non. Donc, de toute façon, tu peux te mettre là, voilà. Donc, lui, il peut être dangereux, bien entendu. Idéalement, je vais essayer de couvrir au maximum lui, maintenant que je l'ai fabriqué. S'il meurt, c'est pas une tragédie. J'en ferai un autre. Mais j'aimerais quand même éviter qu'il meure. Il est qu'à 6, donc tu vas pas vraiment le tuer. Donc au pire, ouais. Mais là, il peut rien atteindre de spécial. Et idéalement, j'ai l'espoir qu'il armé. Il a fait un sous-marin. Mais j'ai un destroyer. Et de toute façon, il va mettre 10 ans à se ramener son sous-marin. Donc qu'est-ce que je m'en moque. J'ai oublié quelqu'un. La barge. Allez. À toi, Mav. T'as quoi? Tu t'es fait 5 néo-tanks? Avec les trois emplacements de ton unité. Donc ça, c'est capturé, ce qui va être lourd. Mais c'est la vie. Je suis pas sûr de piger ce qu'il est en train de faire. Ça, il le ramène, ce qui m'étonne pas. Ça, il lui fait attaquer l'hélico, ce qui est loin d'être le plus dangereux. Et idéalement, je vais lui faire payer cette attaque. Bon, ça, il veut le capturer, ça m'étonne pas. Il faudra vraiment que j'essaye de l'arrêter. Donc, moi, j'ai ça. Pour le moment, la question, c'est est-ce que je peux faire ça? La réponse est oui, et la réponse est bien entendu que tu vas le faire. Tout ce qui est anti-aérien doit disparaître. C'est ma définition des soldes. Donc là, il est en train de ramener la blinde de trucs par en bas, ce qui me déplaît considérablement. Ça, ça va disparaître, ça va lui filer beaucoup de fric en pouvoir, mais je veux dire, je peux juste pas ignorer ces unités par principe. Ça m'énerve juste considérablement que je sois à chaque fois que dalle 2, mais bon. Toi, tu exploses parce que tu peux m'attaquer mes bombardiers impunis et mes hélicos aussi. Et que de toute façon, tu vas être très gêne si je te laisse tranquille, donc autant que tu disparaisses. Toi, tu peux faire quoi? Tu vises ici, donc tu peux au moins te ramener là. J'ai mon super pouvoir. Est-ce un bon moment pour le super pouvoir? Et la question qu'il faut se poser. J'ai mes unités qui sont assez avancées. Toi, t'es un peu affaibli. Tu commences à me manquer de carburant et tu pourras pas aller les aider en bas. Et c'est un peu problématique. Mais toi, tu peux te ramener ici. Mon bombardier, là, peut probablement attaquer son truc-là. Et je peux lui faire excessivement mal. Je pense que je vais cramer le super pouvoir maintenant. Je vais prendre cher en riposte.
Mais d'un autre côté, ça va me fournir énormément en bien des choses. Et à force, je commence à me demander si le... Si c'est pas eux qui vont quand même détruire la... Quoique, faut réussir à faire un sacré tournicota pour l'atteindre. Mais on verra. Toi, tu vas te ramener ici. Je veux pas qu'il commence à capturer un peu à volonté. Donc on va essayer de l'arrêter un peu. Et ouais, non, c'est une bonne occasion pour Super. Eh, hey, impressionnant, tu m'avais presque devancé. Presque! Voilà, alors malheureusement, lui, il peut pas faire grand chose de réel, donc il va juste boum. Dire c'est toujours ça de gagner. Toi, tu vas t'avancer par en bas pour... Alors, j'aimerais éviter qu'il se fasse attaquer par son hélico. Il commence à manquer de... Il faut combien pour rester en l'air? Deux unités d'essence par tour. Il finira par tomber à court d'essence si je le laisse faire, mais bon. Toi, de toute façon, le mieux que tu puisses arriver, c'est juste devant la plage. Donc techniquement, si je te mets ici... Ouais, si je te mets ici, tu peux... Y a aucun risque. Ouais, parfait. Je préférerais avoir un truc genre... sûr que ça l'achève, ce qui n'a pas été le cas, bien sûr. Puisque ben, ça ne me rajoute pas au score. Mais là, je suis davantage préoccupé par le concept du... J'ai besoin de détruire... Enfin, j'ai besoin de faire avancer mes unités. Je m'inquiète pour l'essence, par contre, de lui, là. Puisque il est à 20. Je m'en inquiète tellement que je pense que je vais me contenter de juste détruire ça. Et je fusionnerai les deux une fois que ma Véric aura le super pouvoir. Parce qu'il va super pouvoir au prochain tour. C'est inévitable. Je suis en train de lui atomiser plein d'unités en un seul coup. Il va me super pouvoir la tronche avec une violence sans nom. Le truc, c'est que son truc, il va m'affaiblir mon avion et c'est tout. Voilà, puis la barge. Est-ce que j'étais à portée d'un... Non, je peux pas à portée d'un unité. Il a plus rien. Je veux dire, c'était peut-être pas le plus impressionnant au monde. Mais il a perdu énormément le double. Toi, tu vas remonter par là-haut, je pense. Toi, tu peux continuer à remonter. C'est pas comme si tu pouvais vraiment faire grand-chose de réel. Et toi, tu resteras ici jusqu'à la fin des temps. Tu vas faire un peu d'alpinisme, tiens, en attendant. Pendant ce temps, Andy. Elle est où la bataille ? Qui a toujours pas son pouvoir. Hein. Par défaut, autant taper ce qu'on peut. Puisque s'il a pas son super, je sais pas quoi penser. Ouais, c'est vrai. Donc. Malheureusement, ouais, on est à moitié bloqué, mais c'est comme ça. Toi, tu vas te mettre ici. Toi, tu vas te mettre là. Oups, c'est sa cochonnerie de. On s'en fiche, ouais. C'est l'anti-air, ça, ce truc a aucune valeur. Vous, on vous avance autant que possible. La plupart de ces unités n'ont rien fait. J'utiliserai le pouvoir au prochain tour et puis ce sera très très bien. Lui, en fait, il retournera là-dedans après que j'ai utilisé le pouvoir parce que j'ai une infanterie ici qui est prête à faire le boulot. Toi, tu seras ici. Et j'ai du pognon, mais il n'y a pas grand-chose que je puisse en faire avec. Faire un autre, hein, tiens, c'est drôle. Ça va me coûter super cher là, au début du prochain tour parce que ça va être, il va être réparé automatiquement et je pourrais pas utiliser mon pouvoir dessus, mais bon. Donc, toi, tu... Donc, alors... Je peux rien faire de spécial contre son bombardier. C'est inévitable. Et lui, il va... Donc, toi, tu vas nous faire une DCA. Et au pire, mais écoutez, j'aurai un peu ralenti le rythme pour rien. Mais c'est comme ça. Toi, tu vas t'avancer par ici. Toi, tu vas rester ici, en fait. C'est tout. Je veux qu'il reste ici, parce que... S'il me sort des hélicos ou des trucs comme ça de par là, je veux pouvoir lui tirer dessus, et j'ai pas envie d'envoyer
mon truc se faire détruire. Donc toi, t'as capturé ça, c'est bien. Et c'est tout ce que je peux faire avec elle, à part toi t'envoyer un peu plus loin. Voilà.